Alors, un peu plus d'explications concernant l'addition de nombres avec les dizaines et les unités. Donc ici, j'ai constitué un certain nombre de dizaines. Donc des dizaines, ce sont des boîtes ou des tableaux où on va réunir 10 ronds bleus. Donc ici, j'ai une dizaine, une deuxième, une troisième, 4 dizaines, 5, 6, 7, 8 et 9 dizaines. Ici, j'ai des unités. Ce sont des ronds qui sont tout seuls. Si on s'amuse à compter, donc on en a 15 en tout. Donc 15 unités. Ceci va nous servir pour faire les calculs en ligne. Si j'ai le calcul 42 plus 5, je me demande comment est-ce que je vais faire ce calcul sans avoir à me servir des doigts ou à me servir de la bande numérique en utilisant les unités et les dizaines. Avec des couleurs, c'est un peu plus clair. Dans 42, j'ai 4 dizaines et 2 unités. Dans 5, j'ai seulement 5 unités. Il n'y a pas de dizaines. On vient de dire que 42, c'est 4 dizaines. Donc, je viens de mettre 4 dizaines pour montrer les 4 dizaines de 42. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, 42, c'est aussi 2 unités. Donc, je viens de les rajouter ici. Donc, ici, j'ai bien 4 dizaines et 2 unités. Ça, c'est le nombre 42. Mais je vais devoir ajouter encore 5 unités. Voilà les 5 unités qui sont ajoutées. Donc nous avons bien d'un côté 42 avec 1, 2, 3, 4 dizaines et 2 unités et 5 avec les 5 unités. Si on rassemble ces 2 unités plus ces 5 unités, ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On se retrouve donc avec un nombre qui a 1, 2, 3, 4 dizaines. Et 7 unités. Et donc ce nombre, c'est 47. Et donc, si on veut reprendre le calcul sans utiliser les dessins, on se dit, ben, j'ai 4 dizaines et 2 unités dans 42, j'ai 5 unités dans 5, mais je n'ai pas de dizaines. Donc, je vais commencer par calculer combien ça fait 2 plus 5, ou 5 plus 2, pour trouver le nombre des unités. Et donc, je vais trouver 7. Ici, j'ai 4 dizaines dans 42, mais j'en ai 0 dans 5. Donc, 4 dizaines plus 0 dizaines, eh bien, ça fait 4 dizaines. Et donc, c'est ce qu'on retrouve à l'aide du dessin, donc 1, 2, 3, 4 dizaines, et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 unités.